Bienvenue sur cette vidéo unboxing de la Dexter 600 watts qui est toute une scie sauteuse. Bon, elle est déjà déballée parce que je l'ai utilisée. Vous voyez que ici il y a une planche. J'ai découpé. C'est une scie sauteuse occasionnelle. Elle a coûté 30 euros dans les environs. C'est fait pour à peu près couper 5 à 10 planches et après, basta, on passe à autre chose. C'est clairement pas la scie sauteuse professionnelle. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a un élément qui nous permet de caler la planche et de suivre un tracé qui est droit. Donc ça, c'est vraiment très pratique, très utile quand on a besoin de découper des petites portions. C'est le cas pour cette planche. J'ai dû couper sur toute la longueur à peu près ceci. Donc on le cale ici. La scie sauteuse coupe parfaitement droit sans qu'on ait besoin de règles. Ça c'est un bon point. On a cet élément qui nous permet tout simplement de fixer ici à ce niveau-là la règle. On a avec l'appareil tout simplement une scie offerte qui, bon, alors je sais pas, on va le voir peut-être sur la vidéo, si vous regardez bien, s'il fait la mise au point, voilà, comme ceci, ici, elle est complètement noire. Ça, c'est en fait dû au frottement avec le bois. Je sais pas si c'est normal, si c'est bien, si c'est pas bien, est-ce que ça veut. De toute façon, comme c'est offert gratuitement, ça doit être forcément de la qualité premier prix. Ça va pas durer très longtemps. Il faudra effectivement acheter derrière quelque chose si on veut la réutiliser derrière. On a plusieurs modes ici. On a le premier qui est pour qui nous permet en fait de pouvoir couper non pas parfaitement droit, mais avec des petits angles sur du métal. Le deuxième, c'est des coupes parfaitement droites sur du métal. Le troisième ici, c'est des coupes non droite pour le bois, et le dernier c'est des coupes parfaitement droites pour le bois. Donc voilà, une scie sauteuse vraiment très très simple, pas chère du tout, occasionnelle, je précise, et ça se prend en main en très très peu de temps, c'est très rapide. Ah, par contre, un truc à noter, ce machin là qui est censé faire dégager tous les copeaux de bois derrière, oubliez-le, il fonctionne pas, il sert à rien. Je l'ai testé, je me suis retrouvé avec du copeau de bois partout, sauf derrière. Donc, il n'est pas utile. À plus.